mes potes, tu veux savoir où est-ce qu'on a trouvé ce lieu magnifique rempli de poissons? Alors tout simplement, c'est une application qui est entièrement gratuite, qui s'appelle Fish Surfing. C'est un réseau social comme Facebook, Instagram, Twitter, sauf que c'est entièrement dédié aux pêcheurs. Tu peux partager toutes tes photos, tu as une galerie, donc tu crées ton compte, voilà, c'est entièrement gratuit, donc tu peux partager toutes tes photos. Je crois même que tu peux faire des vidéos. Tu peux aussi partager tes lieux si tu veux partager avec des amis, parce que tu peux aussi te faire des amis à cette application-là. Donc voilà, tu fais des demandes d'amis. Et ensuite, vous pouvez vous partager via une carte que vous avez sur un onglet, voilà, donc vos spots préférés, etc., etc. C'est vous qui voyez. Ensuite, vous pouvez aussi, voilà, comme je vous ai dit, contacter d'autres pêcheurs du monde entier. Il faut savoir que c'est une application qui est ouverte au monde entier. Donc voilà, vous pouvez retrouver des poissons, des photos prises en Pologne, que ce soit en Amérique et autres. Franchement, il y a de quoi faire. Et vous-même, vous pouvez partager entre pêcheurs étrangers, etc. Vous avez aussi un onglet blog, elle va vous en parler de suite. Alors oui, tu as un blog où tu peux partager ta session, tes anecdotes, tu peux écrire avec tes amis ce que tu as fait, ta session, tout ce que tu as fait pendant le week-end. C'est intéressant aussi à savoir. Comme Instagram, voilà, lorsque tu mets des photos dans tes galeries, dans les autres galeries que tu verras du monde entier, d'autres pêcheurs et pêcheuses, tu pourras laisser des likes, voilà, tu pourras laisser des likes, tu mets ton plus beau fiche, puis voilà, tu peux laisser ton plus gros pouce bleu. C'est comme un réseau social comme YouTube, comme Facebook et Instagram, mais vraiment, c'est réservé que pour les pêcheurs, et c'est entièrement gratuit. Franchement, profitez-en, voilà, je vous mets le lien dans la description, vous téléchargez ça. Vous n'êtes pas obligé de partager vos spots, les gars, c'est pas une obligation, mais voilà, vous pouvez faire d'autres contacts, vous pouvez échanger aussi avec d'autres pêcheurs vos astuces, vos montages et autres, et aussi tout type de pêche, que ce soit des techniques spécifiques, des techniques un peu plus simples. Tout type de poisson, franchement, allez-y, c'est là vraiment l'application qu'il vous faut absolument. Et nous, on l'a et on est en train d'agrémenter de toutes vos photos. D'ailleurs, vous met le lien en description et aussi notre profil dans le lien, comme ça vous pourrez nous suivre, ce qu'on va faire, les images, les photos, enfin bref, n'hésitez pas à y aller, c'est une super application. Et d'ailleurs, les potes, il faut savoir aussi que l'application est accessible, voilà, sur iOS, Google Store, donc franchement, n'importe quel type de téléphone que tu as, que ce soit iPhone ou Android, tout le monde peut le télécharger. On vous met le lien en description. N'hésitez surtout pas, parce que nous, on va être vachement actifs dessus. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous rejoindre, à créer votre propre profil. Tout est entièrement gratuit, je vous le rappelle. Voilà, vous n'avez rien à dépenser. Vous mettez vos petites images, vos petites photos. C'est tout simplement un Facebook, un Instagram, vraiment tout réuni et spécialement dédié pour tous les pêcheurs. Voilà, franchement, ça ne mange pas de pain. C'est entièrement gratuit. Donc, profitez-en. Je ne vois pas pourquoi on ne profiterait pas, vu que c'est gratuit. Et vous verrez, en plus, il y a de belles photos. J'ai un petit peu pioché comme ça, on a regardé un petit peu à droite à gauche. Il y a des pêcheurs et des pêcheuses, voilà, qui partagent leurs sessions, que ce soit à la carte, que ce soit au carnassier. Vraiment, c'est de très 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 belles photos du monde entier. Ça réunit un petit peu tout le monde dans le monde. Et ça, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Nous, en attendant, on retourne sur nos cannes et on espère du fish.